Shalom! Après avoir médité la manière d'être prêtre par notre baptême, avec une compréhension éclairée par la connaissance de la volonté de Dieu dans le livre du ciel et transcrit par Luisa Picaretta, on continue aujourd'hui avec la deuxième partie. Par le baptême, toi qui es baptisé, tu es prophète. Le terme hébreu de prophète, Nabi, vient sans doute d'une racine qui évoque l'appel. Au sens actif, il désignerait le prédicateur et au sens passif, l'appelier. L'appelé de Dieu, ça va de soi. En tout cas, sa mission est d'être porte-parole de Dieu. Parole, oui, mais pas que, parce que parmi les prophètes, on trouve aussi des visions qui servent souvent la réception du message de Dieu. Moins souvent, le texte indique le rôle de l'esprit ou souffle divin qui est lié à la parole. Le prophète est l'homme du souffle. J'aime assez bien cette expression, moi. Le souffle, l'homme du souffle ou de l'esprit, selon la traduction. Le souffle du Seigneur a parlé par moi, sa parole est sur ma langue. Mais à quoi donc sert un prophète ? Il y a plusieurs choses. Première que je pointe, dénoncer le mal. Le catéchisme de l'Église catholique au 762 nous dit « Par son élection, Israël doit être le signe du rassemblement futur de toutes les nations. Mais déjà, les prophètes accusent Israël d'avoir rompu l'alliance et de s'être comporté comme une prostituée. Ils annoncent une alliance nouvelle et éternelle, comme Jérémie, c'est-à-dire la rédemption. Cette alliance nouvelle, le Christ l'a instituée. » Par exemple, le catéchisme nous rappelle que les prophètes dénoncent la gravité de l'adultère. Ils voient dans l'adultère la figure du péché d'idolâtrie. Et Jésus aussi, il n'hésite pas à faire référence à la loi. Dans les évangiles, par deux fois, il évoque la loi et les prophètes. Oui, mais avec une façon d'aborder la loi plus profondément ancrée dans l'amour. Pour Jésus, c'est amour et acte en cohérence. À quoi sert le prophète à dénoncer le mal ? Primo, lorsqu'on lui pose la question « Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. La charité, eh bien, c'est donc la loi dans sa plénitude. Deuxio, c'est de cette charité que découle ce qui est parfois appelé la règle d'or de l'évangile. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. C'est Jésus en Matthieu 7. Seconde mission des prophètes, après dénoncer le mal, eh bien évidemment c'est annoncer. Et ils annoncent quoi les prophètes ? Les prophètes du Premier Testament, puis jusqu'à Jean-Baptiste, annoncent la venue du Rédempteur, bien entendu. Sacrée promesse que celle-là. À Luisa Picaretta, Jésus a dit, au tome 23, le 18 décembre 1927, « Ma fille, chaque prophétie que j'ai faite à mes prophètes concernant ma venue sur terre était comme une promesse que je faisais aux créatures de venir parmi elles. » Et les prophètes, en les manifestant, disposaient le peuple à désirer et à vouloir un si grand bien. Et le peuple, en recevant ces prophéties, recevait le dépôt de la promesse. Et en manifestant le temps et le lieu de ma naissance, j'augmentais le dépôt de la promesse. Et là, Jésus ajoute, c'est ce que je fais avec le royaume de ma volonté. Chacune des manifestations concernant mon divin fiat est une promesse que je fais. Et oui, la réalisation parfaite de sa volonté dans l'homme est un décret divin. Quel que soit le moment et la manière, Dieu veut que nous revenions à l'ordre, au rang et au but pour lequel il nous a créés. Sinon, jamais il n'aurait appris à ses disciples une prière que vous connaissez par cœur et qui dit « Que ton règne vienne ». Donc c'est tout à fait clair, sa divine volonté doit être instaurée sur terre comme au ciel. Deuxièmement, dans Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34, il est question d'une alliance nouvelle et éternelle. « Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, dit Dieu, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. » Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Écoutez bien, c'est une bombe.
Je mettrai ma loi au plus profond des mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. » Waouh ! La divine volonté aussi nous fait connaître Dieu en profondeur par la connaissance enseignée par le livre du ciel. Combien sommes-nous d'ailleurs, en cheminant dans la divine volonté, à nous émerveiller d'une compréhension plus profonde et renouvelée des Écritures et une proximité toujours plus grande avec le Seigneur. Vous êtes de plus en plus nombreux à témoigner de cela sur YouTube et ailleurs. Oui, en vivant dans la divine volonté, vraiment, on va connaître Dieu, connaître au sens biblique du terme, c'est-à-dire par union, comme l'union dans un couple. C'est d'ailleurs une image qui est très aimée par les prophètes qui ont beaucoup utilisé le symbole du mariage entre Dieu et son peuple, l'alliance par exemple, hein, mais on pense aussi au Cantique des Cantiques. Et puis dans l'histoire de plusieurs saints aussi, on voit des mariages mystiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que Louisa l'a vécu d'ailleurs, ce mariage mystique. Je reviens à la connaissance de Dieu qui promettait dans Jérémie de se faire connaître à tous en écrivant sa loi dans nos cœurs. Ce que Jésus nomme le troisième fiat, eh bien c'est vraiment ça, c'est le temps de l'action de l'Esprit-Saint qui ramène les créatures à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées. Après le fiat de la création, le fiat de la rédemption, eh bien c'est l'Esprit-Saint qui vient tenir le gouvernail avec le fiat de la sanctification, donc la divinisation de l'homme. Nous sommes à l'aube de ce moment par l'enseignement de la divine volonté. Frères et sœurs, on est des petits vénards parce qu'on est dans les premières générations qui auront connu ce don divin. Au catéchisme numéro 243, avant sa Pâque, Jésus annonce l'envoi d'un autre paraclet, c'est-à-dire un défenseur, l'Esprit-Saint. À l'œuvre depuis la création, ayant jadis parlé par les prophètes, hein, comme on le cite dans le Credo, le symbole de Nicée-Constantinople, l'Esprit-Saint sera maintenant auprès des disciples et en eux pour les enseigner et les conduire vers la vérité tout entière. Et c'est bien ce qu'elle fait, la divine volonté, nous conduire à la vérité tout entière, à connaître Jésus jusqu'au très fond des fibres de son être. Jamais le Seigneur ne s'est révélé aussi profondément que par son enseignement à Louisa Picaretta. Au fil des siècles, évidemment qu'il a offert à l'humanité diverses connaissances, mais c'était que des facettes d'un seul et même cristal. La Divine Miséricorde, par exemple, ou Maria Valtorta, qui nous a donné la vision de ce qu'il a fait dans ses actes, mais nulle part dans l'enseignement de aucun des saints, eh bien, on ne trouvera qu'est-ce que Jésus a voulu réparer, qu'est-ce qu'il a fait profondément dans sa pensée, dans son intention, quand il posait tel ou tel acte. Ça, la Divine Volonté nous l'apprend par le Livre du Ciel. Ok, et donc quoi avec tout ça? Il nous reste à nous installer confortablement dans notre petit quotidien, dans nos dévotions habituelles, juste aller à la messe le dimanche et puis c'est tout, en attendant que la divine volonté, elle daigne sortir tout à coup d'un chapeau de magicien. Nenni, évidemment, à l'action. Le 13 septembre 1926, Jésus nous a bien expliqué qu'il n'y a pas d'établissement du règne de Dieu sans nos appels et nos actes, comme les prophètes ont appelé la venue du Rédempteur. La justice, en donnant, elle veut trouver l'appui des actes des créatures. Louisa se dit, si Jésus veut et aime autant que son règne s'établisse au milieu des créatures, et bien pourquoi veut-il et insiste beaucoup pour qu'on prie? Et là, Jésus va lui répondre ceci. Crois-tu que ce soit aisé pour la souveraineté divine de donner ce règne du fiat suprême sans en être sollicité, sans que personne ne se soucie de le recevoir? Ce serait la répétition de ce qui se passa dans le paradis terrestre et peut-être même pire. En outre, notre justice s'y opposerait forcément. Par conséquent, tout ce que je te fais faire, c'est-à-dire les rondes dans la suprême volonté, les prières incessantes, l'offrande de tous les actes quotidiens pour que la divine volonté puisse régner, etc., eh bien, ce sont autant de soutiens que j'avance à ma justice pour qu'elle cède ses droits et en s'équilibrant avec tous nos attributs,
elle trouve équitable que le règne du Fiat suprême soit restitué aux générations humaines. Cela se produisit au moment de la rédemption. Si notre justice n'avait pas trouvé les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences des patriarches, prophètes et de tous les bons de l'Ancien Testament, et en plus une vierge reine, possédant l'intégrité de notre volonté, prenant tout à cœur avec autant de prières insistantes, notre justice n'aurait jamais consenti à la descente de notre soupiré désiré rédempteur au milieu des créatures en refusant catégoriquement ma venue sur la terre. Qui pria jusqu'à présent avec intérêt, insistance, sacrifiant sa propre vie pour que le règne du Fiat suprême vienne sur la terre triomphant et dominant? Eh bien, personne. Il est vrai que l'Église ne récite notre Père que depuis que je vins sur la terre, dans lequel on demande « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Mais en prononçant ces mots, qui pense à ce qu'il récite? L'importance de cette demande réside dans ma volonté, et les créatures la récitent pour la réciter, sans comprendre, sans intérêt pour ce qu'elles demandent. Dans l'éternité, il n'y aura pas de secret. Je dévoilerai tout en montrant les choses et mes œuvres avec justice, car la suprême majesté n'aurait pas pu donner ce qu'elle voulait si dans la créature il n'y avait pas les actes suffisants. Il est vrai aussi que c'est ma grâce qui permet à la créature de faire tout ce qu'elle fait, mais ma grâce veut trouver en même temps l'appui des dispositions et de la bonne volonté de la créature. Donc, en résumé, tout comme les prophètes ont appelé la venue du Rédempteur, il nous faut appeler la pleine réalisation de l'Alliance Nouvelle qui est très profondément la divine volonté. Il faut que le royaume soit préparé et que le roi soit désiré, attendu, appelé avant d'arriver et pouvoir régner. Dieu est un gentleman, il attend à la porte et il n'entrera que s'il est désiré. Une autre évocation de la venue de Jésus sur terre est le rôle des prophètes. On va au tome 25, le 13 janvier 1929. Avant de venir sur terre et d'être conçu dans la souveraine reine du ciel, je peux dire que j'ai été conçu dans l'esprit des prophètes et j'ai confirmé et donné de la valeur à cette sorte de conception en eux par mes manifestations à propos du temps et de la manière dont je devais venir sur terre pour racheter l'humanité. Et les prophètes, fidèles exécuteurs de mes manifestations, servaient de héros en manifestant au peuple, par leurs paroles, ce que j'avais manifesté concernant ma venue sur terre. Et en me concevant dans les paroles, ils ont fait courir de bouche en bouche la nouvelle que le Verbe voulait venir sur terre. Je vous invite à aller faire un saut au psaume 18, c'est superbe. Ainsi, j'ai été conçu non seulement dans la parole des prophètes, mais aussi dans la parole du peuple, de sorte que tous en parlaient, priaient et attendaient avec ardeur le futur Rédempteur. Et lorsque la nouvelle de ma venue sur terre fut diffusée parmi les peuples, c'est presque un peuple tout entier qui, avec les prophètes à sa tête, pria et attendit dans les larmes et la pénitence. Et alors seulement, étant comme conçu dans leur volonté, j'ai permis à la reine de prendre vie. Elle, en qui je devais être conçue en réalité, afin de faire mon entrée dans un peuple qui avait langui après moi et qui me désirait depuis 40 siècles. Quel crime les prophètes n'auraient-ils pas commis s'ils avaient caché et gardé pour eux mes manifestations sur ma venue? Ils auraient empêché ma conception dans l'esprit, dans les prières, les paroles et les œuvres du peuple. Condition nécessaire pour que Dieu puisse concéder un bien universel, ma venue sur la terre. Attention, nos chers amis prêtres, écoutez bien, juste après, il dit « Et c'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche, par la parole, les écrits et les œuvres, de servir de héros pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. » Et leur crime ne serait pas moindre que celui des prophètes qui auraient caché ma rédemption si ces prêtres ne s'employaient pas autant qu'ils le peuvent à ce qui concerne ma divine volonté. Ok, donc moi qui ne suis pas prêtre, alors j'ai pas besoin d'annoncer la divine volonté, c'est ça, non? Ouh là là, mais qu'est-ce que je dis? Par mon baptême, évidemment, je suis prêtre.
et prêtre, prêtre et quoi déjà? Troisième mission des prophètes, donc après dénoncer le mal et annoncer, eh bien c'est appeler à la conversion bien sûr. Catéchisme de l'Église catholique 201. Par les prophètes, Dieu appelle Israël et toutes les nations à se tourner vers lui, l'unique. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui, devant moi, tout genou fléchira, par moi jurera toute langue en disant « En Dieu seul sont la justice et la force », ce fameux décret divin. Allons au catéchisme au numéro 1430. Comme déjà chez les prophètes, l'appel de Jésus à la conversion et à la pénitence ne vise pas d'abord des œuvres extérieures, le sac et la cendre, les jeûnes et les mortifications, mais la conversion du cœur, la pénitence intérieure. Sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles et mensongères, dit le catéchisme. La divine volonté aussi nous appelle à cette conversion profonde. La sainteté humaine, celle de l'effort personnel, elle est dépassée, ou plutôt, on pourrait dire, elle est fondée dans l'action même de Dieu, qui divinise nos actes et les incorpore en fait aux siens. Quatrième mission des prophètes, appeler à la prière. Le catéchisme au numéro 2697 ou 97 pour nos amis français. Bah dis donc, 97 au lieu de 97, ça fait tout de suite plus, hein, ça. Les pères spirituels, dans la tradition du Deutéronome et les prophètes, insistent sur la prière comme souvenir de Dieu, un réveil fréquent de la mémoire du cœur. Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire, disait saint Grégoire. La prière est la vie du cœur nouveau. Elle doit nous animer à tout moment. Or, nous oublions celui qui est notre vie et notre tout, dit le catéchisme. Mais dans la divine volonté, justement, ça tombe bien, on prie tout le temps. Et Jésus, enfin, annonce un rôle de plus au prophète, être un symbole de tous les dons en préparation pour les enfants de la divine volonté. Comment ça ? Attendez, on n'avait jamais pensé à ça. Ma fille, si les grandes figures de l'Ancien Testament annonçaient le Messie à venir, elles réunissaient toutes ensemble les dons, symbolisant tous les dons que les enfants du Fiat suprême allaient posséder. Lorsqu'Adam fut créé, il était la véritable et parfaite image des enfants de mon royaume. Abraham était le symbole des privilèges et de l'héroïsme des enfants de ma volonté. Et la manière dont j'ai appelé Abraham vers une terre promise où coulaient le lait et le miel, en le faisant maître d'une terre si fertile qu'elle faisait l'envie de toutes les nations, était le symbole de ce que je voulais donner aux enfants de ma volonté. Jacob était un autre symbole des 12 tribus d'Israël d'où devait sortir le futur Rédempteur qui rétablirait le royaume du divin Fiat pour mes enfants. Joseph était, lui, le symbole du pouvoir qui aurait été celui des enfants de ma volonté. Et tout comme il n'a pas laissé les autres, ni même ses frères ingrats, périr de faim, les enfants du divin Fiat auront eux aussi ce pouvoir. Ils seront la raison pour laquelle le peuple ne périt pas. Et tous leur demandent le pain de ma volonté. Moïse était une figure de la puissance et Samson symbolisait la force des enfants de ma volonté. David symbolisait leur règne. Tous les prophètes symbolisaient les grâces, les communications, les intimités avec Dieu qui auraient été plus nombreuses encore pour les enfants de mon divin Fiat. Tu vois, ils n'étaient que les figures et les symboles de mes enfants. Qu'en sera-t-il lorsque tous ces symboles prendront vie ? Donc on peut dire que tous les prophètes du Premier Testament, eh bien, ils ont symbolisé tous les dons que le Seigneur a décrits à Luisa Picaretta, ils ont symbolisé tout cela, mais à leur insu. Au tome 33, le 13 novembre 1927, Jésus dit « On peut voir que malgré les nombreux prodiges accomplis par les saints, les prophètes et les patriarches, ils n'ont pas formé mon royaume au sein des créatures. Ils n'en ont pas non plus fait connaître le prix et le grand bien que possède ma volonté, ni ce qu'elle peut et veut donner, ni le dessein de son règne, car il leur manquait l'acte continuel et la vie permanente de ma volonté. Ainsi, n'en connaissant pas la profondeur, ils se sont préoccupés d'autre chose que ce qui concernait ma gloire et leur bien. Et ils ont mis de côté ma volonté dans l'attente d'un temps plus favorable où le Père, dans sa bonté, ferait d'abord connaître, avant de donner, un bien
et un royaume si grand et si saint qu'il ne pouvait même pas en rêver. En guise d'appendice et peut-être même de conclusion, une conclusion offerte par le catéchisme de l'Église catholique à propos du Notre Père, et donc ça se trouve au numéro 2787, quand nous disons Notre Père, nous reconnaissons d'abord que toutes ces promesses d'amour annoncées par les prophètes sont accomplies dans la nouvelle et éternelle alliance en son Christ. Nous sommes devenus son peuple et il est désormais notre Dieu. Cette relation nouvelle, ajoute le catéchisme, est une appartenance mutuelle, donnée gratuitement. C'est par l'amour et la fidélité que nous avons à répondre à la grâce et à la vérité qui nous sont données en Jésus-Christ. On peut aussi ouvrir le numéro 2813 du catéchisme, et ce passage, eh bien, il se trouve à l'intérieur des chapitres vraiment très très riches, où je vous invite à les picorer, ou même plutôt à manger avec grand appétit, un passage du catéchisme qui concerne justement le sens du Notre Père. Il se trouve donc à la partie très très belle qui concerne « Que ton nom soit sanctifié ». Dans l'eau du baptême, nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. En toute notre vie, notre Père nous appelle à la sanctification et, puisque c'est par lui que nous sommes dans le Christ Jésus qui est devenu pour nous sanctification, il y va de sa gloire et de notre vie que son nom soit sanctifié en nous et par nous. Telle est l'urgence de notre première demande dans le Notre Père, la première vague qui nous porte vers lui, pour lui, c'est-à-dire ton nom. Ton règne, ta volonté, c'est le propre de l'amour en fait, que de penser d'abord à celui que nous aimons. Encore un petit appendice pour rappeler que la divine volonté ne nous sort pas de l'Église, il faut sans cesse le rappeler. Jésus, comme les prophètes avant lui, a professé pour le temple de Jérusalem le plus profond respect, comme nous pour l'Église. Donc c'est pas parce qu'on vit dans la divine volonté qu'en fait on sort de l'Église, ou qu'on se croit meilleur, ou voilà. Jésus, comme les prophètes avant lui, a professé pour le temple de Jérusalem le plus profond respect. Il y a été présenté par Joseph et Marie 40 jours après sa naissance. Puis, à l'âge de 12 ans, il décide de rester dans le temple pour rappeler à ses parents qu'il se doit aux affaires de son père. Il y est monté chaque année, au moins pour la Pâque, pendant sa vie cachée. Et son ministère public lui-même a été rythmé par ses pèlerinages à Jérusalem pour les grandes fêtes juives. Il y a énormément d'autres exemples dans le catéchisme de la fidélité de Jésus au temple. Et oui, nous sommes bel et bien toujours pleinement dans l'Église, tout en vivant dans la divine volonté. Ça ne nous sort aucunement de notre communion à l'Église catholique. Alors, bref, comment être prophète dans ma vie quotidienne en tant que baptisé? Alors, s'engager et témoigner? Évidemment oui. Dire et agir pour changer certaines choses? Bah oui, pourquoi pas. Annoncer explicitement l'Évangile dans son milieu de vie? Bah oui, et certains le font même avec énormément de courage, parce que c'est pas toujours bien reçu, notre témoignage, et parfois bien malmené d'ailleurs. Faire de la catéchèse? Bah oui, bien sûr, mais quoi encore? Est-ce que la divine volonté nous mène pas encore un petit pas plus loin, et même un grand pas? Faisons des rondes comme Louisa, 13 janvier 29, elle nous donne le filon. J'accompagnais les prophètes lorsque la divine volonté leur manifestait quand et de quelle manière viendra le futur Rédempteur, et que les prophètes languissaient après lui avec des larmes, des prières et des pénitences. Et faisant mien tous leurs actes, parce que tout cela était le fruit du divin fiat éternel, je les offrais pour demander son royaume sur la terre. Et ça continue, 6 décembre 25. En la personne qui vit dans ma volonté, dit Jésus, se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints-pères, avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leur soupir. Donc, appelons son règne dans tous nos actes et dans nos prières et dans nos rondes. De cette façon, le baptisé peut être prophète sur son lieu même de travail, sans peut-être même à ouvrir la bouche une seule fois. Révolutionnaire, non? À la prochaine vidéo, nous découvrirons le sens éclairé de être roi, prêtre, prophète et roi, un sens éclairé par la divine volonté, comme les deux premières vidéos. Nous sommes artisans de vie divine dans nos vies quotidiennes. Au boulot !